Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soinkulo, moi Ike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi à étape 3 qui est de fouiller des coffres dans la jungle. Donc si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite à tous un très bon visionnage, let's go! Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans la jungle. Donc la jungle c'est tout ce qu'il y a autour du volcan normalement. Alors moi j'ai trouvé un petit emplacement où normalement il n'y aura pas trop de monde, c'est une petite maison en bord de zone, mais comme c'est en bord de zone je ne sais pas si ce sera validé, mais regardez, il y a un coffre juste ici et il y a un autre coffre qui est juste là, donc voilà juste ici. Alors si jamais c'est pas validé, vous redescendez plus bas et ici il y a une petite pyramide au loin, bon, de toute façon je vais y aller, vous allez voir. Voilà, c'est cette petite pyramide là que je vous parle, donc elle se trouve vraiment un tout petit peu plus bas juste ici. Et en réalité, ben, il y a deux coffres aussi, donc il y a un coffre juste ici en haut et il y a un coffre juste ici en bas. Donc voilà, c'est des coffres que, à mon avis, il n'y aura pas trop de monde dessus, surtout que les gens vont surtout aller à Sunny Step. Je ne sais pas si la ville de Sunny Step sera comptabilisée, je pense qu'il faut vraiment aller dans les bois pour trouver des coffres et que ce soit validé. Après, c'est possible que ça fonctionne à Sunny Step et à l'Azir Lagoon, ou peut-être même dans le volcan, mais bon, je trouve pas ça comme si c'était une jungle. Donc voilà, c'est ce que je pense personnellement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soinkulo mec et ciao. Peace.